Nous sommes prêts à les achever, Air Général. Pas encore. J'attends... un autre invité. Yavol, Air Général. Les informations de Prométhée sont d'une précision étonnante. Oui, Général? Non, rien. Je réfléchissais tout haut. Grand Dieu, c'est un massacre. Toutes ces pertes que nous subissons... Mais quel idiot! Je lui avais dit d'annuler la mission. Weatherby nous demande des renforts. Qu'est-ce qu'on fait? S'il était seul, je le laisserais crever. Mais il a beaucoup d'hommes qui méritent mieux que ça. Que faire? Je ne sais pas. Les Allemands n'ont pas employé toutes leurs forces. Ouais. Pourquoi n'ont-ils pas tout donné contre nous? Parce que rien ne les y oblige. Ils ont toujours eu un coup d'avance sur nous, car ils sont au courant de nos moindres mouvements. Je pensais que Weatherby était stupide, mais vous avez raison. Il y a trop de coïncidences. Le seul moyen de s'en sortir est d'ignorer le plan. D'après nos dernières informations, et en toute logique, je dirais que les Allemands sont ici. Les Italiens, là et là. En frappant les troupes italiennes de tête, on pourrait changer la donne. Nous allons attaquer leurs points faibles, et les Allemands devront réagir. Weatherby utilisera toutes nos ressources pour son débarquement. Il faudra se serrer la ceinture et capturer ce qu'on trouvera. Vous voyez ce dépôt? Vous devriez le prendre avec votre infanterie. Ah oui, on pourra aussi capturer les dépôts de ravitaillement des adversaires. Il ne leur reste plus que leurs petits chars. Ne les sous-estimez pas. Malgré leur blindage très léger, ils sont redoutables contre l'infanterie. Oui, mais ne peut aller dans les bois. Monsieur, nos troupes sont formées pour ne pas abuser de la radio. Excellent, colonel. Que diriez-vous d'essayer la ruse du silence radio de Von Richter? Ah oui! Le silence radio! Je veux. Alors pour commencer, de la reconnaissance partout. Oui, monsieur. Début de la production d'unité. Je veux de la reconnaissance partout. Et sinon donc, en nouvelle ruse, dissimule toutes les unités dans le secteur. Oh! Ok. Pourquoi pas? Donc il me faut capturer ceci, mais il va falloir aussi que j'aille par là récupérer ceci. Ah, surtout protéger en fait. Faut surtout que je protège cet endroit. C'est surtout ça qui me... m'importe. Les bleus s'entraînent. Ils seront bientôt prêts. C'est le dépôt de ravitaillement le plus près et le plus facile, alors que là il y a toute une capture de fer, toute une capture à faire. Là, ce serait bien de savoir s'il y a des gens dans la ville. Je crois pas. Il faut garder le silence radio, ou ils vont nous tomber dessus comme la misère sur le monde. Bon, bah, silence radio alors. Donc normalement, on est furtif complètement là. Très bien. Ils ne pourront pas détecter nos unités, sauf en visuel. Vous pouvez maintenant opérer sans être vu. Ah voilà, d'accord, ok. Les unités sous silence radio deviennent transparentes. Oui, mais on peut quand même être vu. Genre par exemple là, si j'avais activé le silence radio. Voilà. Ils sont invisibles. Mais si un ennemi les voit, ils sont visibles. C'est genre comme là, je vois qu'il y a une unité qui se déplace. Même si je sais pas qui c'est, ce que c'est exactement, je vois qu'il se déplace. Si j'étais en silence radio, je les verrais même pas. La skaquette. Non, apparemment, il n'y a personne dans le. Oui, dans le truc. Silence radio, silence radio! Monsieur, Ninja! Tcha. Discrétion. Nous n'existons pas. Nous sommes qu'une ombre. Apparemment, il n'y a personne dans le village.
Voilà, on peut voir ici la durée du silence radio. Ils savent pas que nous sommes là. Ah merde! Non! Bien sûr. C'est bon, je croyais qu'ils allaient attaquer le dépôt de ravitaillement. Mais non! Comme laisser un soldat au cas où. Attaque surprise! Chut, ne criez pas! Allez, boum! La ville est à nous. Vous allez pouvoir avancer un peu. Aussi par la même occasion. Ici, donc, il n'y a personne. Je pense pas qu'on se fera attaquer par derrière. Les unités dans les bois sont difficiles à repérer car leur marqueur disparaît. Très bien. On va prendre tout le monde, on va prendre la ville qui est là. Qu'est-ce qu'on a là? Carreau véloce, certes. Mais je peux pas l'attaquer frontalement parce qu'il est très efficace contre l'infanterie. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai de l'infanterie. J'ai tout intérêt à être intelligent. Il y a le silence radio, je peux passer sans être vu. Et je peux capturer le dépôt. Bon là, faut absolument éliminer ce truc. Une petite unité normalement. C'est pas un char, voilà. Les chars sont forcément des plus gros pions. Éliminé. Bon, il y a quand même quelqu'un qui a reculé, mais bon. Ok. Je pense qu'on peut avancer dans les bois. J'ai toujours le silence radio. Voilà, j'ai remis 5 minutes. Pour être bien sûr que j'ai le silence radio. Le souci, c'est que si je capture ça, ils vont savoir que... Enfin, ils vont le détruire. Alors que mon objectif, c'est pas de le détruire, quoi. C'est ça, mon problème. J'aimerais bien détruire ça. J'ai peur qu'il aille là. J'essaie de contourner les choses, là. La reconnaissance s'en bat... Alors... La reconnaissance sans armes bat en retraite lorsqu'elle est menacée. Oui, ça on l'avait déjà vu. On sait. Je pense pas qu'on ait assez de portée ici. On va essayer de capturer. On va voir ce qui va se passer. La suite des opérations. Une nouvelle ruse est à notre disposition. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens dans cette putain de ville. Remarque, j'ai peut-être l'espion avec moi. Ah mais l'espion même lui ne pourra pas m'aider. Donc non. Voilà, le dépôt d'arrivée est à nous, mais lui il bouge pas. Nos ressources augmentent, les leurs baissent. Mais attention, ils vont tenter de le reprendre, et le reconstruire coûterait cher. N'oubliez pas, oh, j'ai des sous, hein. Les unités de reconnaissance sont plus efficaces si rien ne gêne leur visibilité. Colonel, j'ai la position de leur poste avancé. C'est dans un vieux centre d'entraînement pour unités anti-chars. Une attaque franche est la meilleure défense, Sheridan. Il faut prendre leur QG avant qu'ils puissent réagir. Les rapports sur le débarquement de Weatherby sont de pire en pire. Nos soldats meurent à cause de son incompétence. Non mais c'est bon, arrêtez de lui parler mal comme ça. C'est bon.
Il fait une connerie. Il fait une connerie parce que... parce qu'il écoute sa donzelle, voilà. Toujours. Les boucs émissaires, tu sais. La femme fatale. Voilà, du coup, il nous attaque. Mais le problème, c'est que moi, je peux rien faire puisque c'est des... c'est des chars, quoi. Bonne nouvelle, colonel. Le haut commandement nous fournit deux chars Lee. Excellent, merci. Ces deux chars nous seront très utiles. Boum. Voilà, et du coup, le dépôt de ravitaillement est maintenant sécurisé. Oui, du coup, lui, il s'est barré parce que il y avait des troupes qui arrivaient. J'ai vraiment que ça. Que des GI à chaque fois. Ça, c'est un peu dommage. Ça nous aide pas beaucoup. J'aimerais avoir plus que ça. Les bleus s'entraînent. Ils seront bientôt prêts. Visiblement, il n'y a personne dans les environs. Je peux pas aller là. Je peux aller là. Je vais essayer de récupérer tous ces dépôts de ravitaillement. D'ailleurs, en termes de reconnaissance, tac, il me faut un de plus. Merde. On détruit l'unité de reconnaissance, du coup ils se sont fait baiser. Monsieur, nous subissons une contre-attaque de l'infanterie italienne. Les Charlie devraient avoir assez de puissance de feu pour les décimer. Il faut que je préserve mes chars par contre. Fasse attention. Mettez votre unité en position. On va les attendre, on va les attendre. Attends par contre, oui. Va pas par là, mon grand. Va te planquer dans les bois. Voilà, il se dit oh là là, les Charlie, je vais les défoncer. Et là, paf! Bazooka! Et on devrait avancer. On a plein de thunes! On a plein de thunes, on peut faire un max de troupes. Tu vas où comme ça, toi? On pourrait pas rentrer dans le village? Non? Moi, ils vont rester dedans. Ah, ils savent que je vais... ouais. Ils savent que je vais lancer une attaque là. Silence radio! Prenez les bâtiments ennemis pour accélérer vos déploiements. Ah, maintenant je peux les capturer. L'intérêt surtout c'est ça. J'aimerais bien récupérer ça. Bazooka! Ils osent pas, vous osez pas! Vous osez pas, ça m'énerve. Les Italiens envoient des chars M15. Mauvaise nouvelle. Ils peuvent écraser les chars. Vous allez devoir les piéger avec l'infanterie. Hmm. Ah, mais donne-moi autre chose, du coup. Bon, j'ai pris le village, au moins. Et vous deux, allez aller là. Ou trois là. Charlie, pour l'instant, je ne m'en sers absolument pas. Ah, ce que j'aimerais, c'est prendre la ville là pour prendre le dépôt qui est là-bas. Mais si j'ai aucune info. Sort qui est là? Monsieur, le QG nous a fourni une nouvelle ruse.
risque d'être compliqué. Bon, a priori, il n'y a personne. Au pire, on y va en nombre. Hein. On a de l'argent, on a de l'argent, donc on peut... se permettre... Ok. Ils patrouillent. En décryptant leur transmission et en suivant leur mouvement, on peut les piéger. Merde ! Au pire moment, comme à chaque fois. Non, je vais rater l'objectif. Et bouge, bouge. Non, j'ai raté l'objectif secondaire. Charlie détruit. C'est un échec, colonel. Terrible. Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Oh bah, perdu pour perdu. On peut pas les baiser là, ils sont trop loin. Paf! Boum! Ah, c'est con cet objectif secondaire là. On en avait même pas besoin. Si ce n'est pour les attirer. Ah. Idiot. Ah, il m'en offre un autre. Oh, vous êtes sympa. L'attaque surprise. D'où l'intérêt des chars en fait, ça me permet de nettoyer le centre des villages. Parce que là on se fait attaquer du coup, mais là on est plus nombreux. Là je profite du fait qu'il y a la puissance du nombre. Pour pouvoir passer. L'information est la clé du succès. Il faudrait plus d'unités de reconnaissance pour faire apparaître les ennemis dans les bois et les villes. Mais c'est ce que j'ai fait mon grand. C'est ce que j'ai fait. Repérez, monsieur. Il faut garder le silence radio, ou ils vont nous tomber dessus comme la misère sur le monde. Toutes les unités sont en silence radio. Attention, l'unité est sous une attaque surprise. On est plus nombreux, on est plus nombreux, on est plus nombreux. Voilà. Certes, ça fait beaucoup de pertes, mais... Tiens, tiens, tiens. J'en ai perdu un de... J'en ai peut-être perdu un. Ici le QG. Nouvelle production d'unité reprise. L'unité ennemie éliminée, monsieur.
Là, il va tomber dans le piège. La Brutix. On est là. Paf. Y a plus personne. Ah mais je peux pas l'avoir lui. Bon bah on s'en fout. C'est vrai que ça fait bizarre de faire une bataille navale. Enfin, une bataille navale, qu'est-ce que je raconte. Une bataille où il y a de l'aviation, mais en fait on contrôle pas l'aviation. Donc voilà. Il y a de l'aviation, elle est là. Elle fait des choses, mais. Pour l'instant, elle n'est pas sous notre contrôle. Le char Lee devrait supporter la chaleur. On peut aussi s'approcher sous silence radio en restant à couvert. D'abord, faut que vous reculiez. Et que vous capturiez cette chose. Enfin, surtout que eux, ils avancent, mais le problème, c'est à cause de ces putains de chars qui sont là. On a des sous! En profiter. Où ils vont eux? Bon, eux peuvent y aller. Silence radio. Silence radio. Il y a une tentative d'attaque à travers champ. Bon, c'est du 2 contre 2, hein. Ils nous ont eu. Bravo à vous. Par contre, je sais pas trop ce que vous voulez faire, quoi. Ouais, voilà. Si le projet, c'est d'aller dans la ville... Bah non, en fait. Je comprends pas, l'attaque furtive n'a pas marché. Ok. Décevant. L'attaque furtive ici n'a pas du tout fonctionné. C'est genre... Je ne sais pas. Qu'est-ce que l'attaque furtive? Oh le bordel. Il y a beaucoup trop d'hommes. Silence radio. Ah, vous arrivez au pire moment, vous. Lui, il est arrivé au même moment, quoi. Chier. Je peux pas aller par là, hein. Mais par contre, eux peuvent quand même m'attaquer par là. Un peu dégueulasse. Ça va aller, ça va aller, ça va passer. Bon, on peut pas dire que je peux pas dire que je fasse la meilleure mission de ma vie. Un peu brouillon. Clairement brouillon.
Et on a que des soldats avec nous. Donc on n'est pas non plus dans les meilleures dispositions. Ce serait pas mal de récupérer ça, mais le problème c'est... Voilà quoi, il y a plein de chars. Compliqué. Et peut-être en prenant cette forêt. Comme ça, il faut être super nombreux. Et oui, ils attaquent toujours par là, avec un char ou deux. Bande de fumier. Ah, moi je peux pas y aller. Silence radio. Personne ne vous voit. Personne ne sait que vous êtes là. Dépôt de ravitaillement épuisé. Non, non, bon. Le pognon. Bon, honnêtement, on a bien avancé. Même si on... C'est lent, hein. On est particulièrement lent. Cette mission... Paf! Tac surprise. Vous là-bas. Hop. Normalement vous êtes en silence radio ici. Oui. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Allez niquer ça vous. Le petit soldat, j'ai pas vraiment peur. Le lance-flamme, c'était une autre histoire. Attention, l'unité suit des tirs importants. Parce que j'aimerais bien savoir c'est, est-ce qu'il y a des personnes ici. Oui, monsieur. Notre espion est en route. Non. De toute façon, je peux foncer à travers champ. Oui, je peux. Oui. Oui, je peux clairement. Détruit le lance-flamme, voilà. Et là on va avancer. Ah non, attends. Demi-tour. Et là il y a un petit gars. Alors là. Là. Alors soit il fait, soit il s'est planqué. Non. Ok, il fait l'erreur. Ah, même dans les mini bosquets comme ça, ils peuvent se planquer. Ah. Ok. Oh putain. Il y avait un plan. Il y avait un plan. C'est que je vais récupérer ça, moi. C'est pour les points, c'est pour rattraper le... C'est pour rattraper... l'échec de sauvegarder nos Charlie. Bah oui, bah que voulez-vous. J'ai été con. Donc je vais rattraper le coup. Voilà. Attention, nos unités sont prises pour cible. Capturé. Ils font quand même du dégât. Alors neutraliser, ça veut dire qu'il faut faut défoncer. Bon, faut le capturer, parce que si c'est juste le capturer, bah let's go quoi. Ah ça on peut pas. On ne peut pas tout. Allez! Ça rattrape l'échec de préserver les Charlie, même si ça va pas...
ça ne va pas rattraper ça au niveau du score, malheureusement. Notre score sera vraiment décevant. Important, hein. Les points, c'est important, les points. Mission accomplie. L'unité est sous le feu. Oui. Chef d'escouade, en haut. Bien joué, oui, colonel. Merci. Je me disais, bah oui, d'accord, mais... idéal pour prendre leur QG. En ce temps-là, on se fait bombarder, mais bon. On a pris le QG des Italiens. On arrive quand même au niveau 11. Mais par contre, cet objectif secondaire, 0. Aïe, 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 aïe. Déception! Déception, déception. Que va nous réserver la suite? Est-ce que cet objectif secondaire non réussi va-t-il avoir un impact sur la mission suivante? Aïe, 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 Sheridan, hein. Sheridan qui se croit plus fort que tout le monde, peut-être que là, il serait peut-être temps de revoir un peu son jugement, hein. Peut-être. La mission un peu plus difficile que prévu, mais en même temps, voilà, nous n'avons pas beaucoup d'équipement, nous avons juste nos soldats. Faire la guerre, c'est bien sympa les gars, mais c'est pas suffisant, quoi. Et même quand on me donne des chars, on me donne deux. je vais aller loin avec ça. Ça a pris un peu de temps, c'est vrai que j'aurais pu être peut-être un peu plus... audacieux. Et voilà. Il faut aussi être prudent dans la guerre. Ne pas attaquer tout et n'importe quoi. On a de grosses pertes. On a pu le voir, hein, par ailleurs. En laissant passer quelques unités entre les mailles du filet. Ben voilà. Donc, coûter quelques pertes. Donc, attention. Restez attentifs. C'est le maître mot. La suite.